Écoutez Koé, c'est bien le voir, c'est mieux. Dans moins de 15 jours, le mariage à Beauvais, c'est plus possible. Ah non, c'est pas moins de 15 jours, c'est la semaine prochaine, pépère. Ouais, samedi prochain. Pas le prochain, ouais. Mais le prochain. Et ben, y a un problème parce que... Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux épouser votre fille. Hein? Je peux épouser votre fille, en fait, parce que... Je peux épouser voilà. Mélodie? Pourquoi? C'est la chimie de chez Monsieur Koé. La chimie, mais tu te la mets dans ton cul, la chimie. Mais t'es irresponsable. Comment? T'es irresponsable, Olivier. Je suis responsable de deux enfants. Non, t'es pas responsable, t'as deux enfants derrière, mais t'as rien dans ta tête. C'est un peu comme la chanson de Georges Brassens. Vous connaissez, c'est de votre époque, ça. C'est assez vieux. Bon, vous connaissez? Une jolie fleur déguisée en vache. Ah ouais, ta connerie, c'est une jolie fleur aussi. Mais t'es vraiment abruti, Olivier. C'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement que t'épouses pas ma fille. Mais la pauvre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pour être avec toi. C'est Julie. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Julie de chez Koé. Donc, maintenant, hop, du balai. Comme on dirait en Charente. Allez, balai. Balai, mais viens pas te pointer devant moi, Olivier, parce que c'est mon point dans ta gueule. Je vais me pointer, je suis à 500 km. Mais j'en ai rien à branler, mais tu sais. Vos gâteaux que vous avez commandés, là, vous pouvez annuler ou sinon vous les mangerez tous, vous et votre famille. Mais ferme ta gueule, Olivier, ferme-la, mais t'es abruti ou quoi? Mais t'as rien dans ce cerveau. Il y a des petits trucs en plus physiquement, la poitrine, déjà, c'est pas votre fille, c'est pas les planches de Brise de Nice. C'est mieux, et elle fait tout. Elle fait tout sexuellement, là, franchement. Putain, t'as de la chance de pas te trouver devant moi, Olivier, parce que tu prendras mon poing dans ta gueule. Allez-y, si vous avez le poing assez loin. Olivier, ça y est, t'as fini, là? Non, mais c'est qui la plus fière qui est derrière toi, là? Ça y est, tu l'as dit, là, parce que j'ai pas que ça à faire non plus, hein. C'est celle-là encore, là? C'est mon ex-futur femme que j'ai épousée, quoi. Pauvre, hein. Dis donc, on en fera pas mal de l'après-midi avant. C'est quoi, tu lui as dit que t'avais annulé ton mariage ou quoi, là? Oh, attends, ta gueule, la petite chasse, là. Olive? Non, qui c'est? Allô? Quoi? Allô? Oui? Bonjour? Non, je dis bonjour à une connasse. Quoi? Vous dites pas bonjour à une connasse, vous savez qui je suis, moi? Mais j'en ai rien à foutre de qui tu es! Je m'appelle Julie, je travaille tous les soirs avec Koé. Vous connaissez Koé ou pas? Oui. C'est une star dans la radio. Oui, je connais Koé. Et moi aussi, je suis une star. Ouais. Et pourquoi ça vous fait rire de dire oui, je connais Koé? On rigole pas de... Ah oui, je connais Koé, et alors? Et alors? C'est une star, moi aussi. T'es une star de quoi? C'est une star de quoi? Tous les soirs, première émission de France. De briseuse de ménage? Et alors, votre fils, il est tombé amoureux de moi, qu'est-ce qu'on y peut? Déjà, lui, c'est pas mon fils, c'est mon ancien gendre. Votre ancien gendre, oui. Ah oui, parce qu'il va épouser ma fille dans 15 jours. Oui, mais si votre fille, elle fait rien non plus, comment vous voulez qu'il aille? Tu m'emmerdes, dégage. Eh, oh, tu me parles pas comme ça, tu sais qui je suis ou pas? Je viens de te le dire, tu comprends? Oh, bien, Julie, bien. Ah ouais, on y est, il y a eu des petits applaudissements là qui sont partis. Allez-y, faites-lui, ça lui fait plaisir. C'est rare que les gens l'applaudissent. Bon, on y retourne une dernière fois, Olivier, elle est très bien, ta belle-mère, elle est très bien, on y retourne. Mais je vais la saisonner une dernière fois. Non, c'est bon, on a eu assez de vannes, Georges Brassens, Brice Denis, tout ça, laisse faire Julie. C'est pas bien introduit dans le truc, hein. Trop de vannes, c'est trop de vannes. C'est compliqué. T'inquiète, Olivier, on y retourne. Julie, elle est chaude patate, là. Ça y est, tu sais pas qui je suis. Elle a pris goût. Allô? Eh, tu me raccroches pas à la gueule, hein. Mais je raccroche à qui je veux, mais de quoi, de qui tu prends, là? Mais je suis Julie, chez Koé. Je travaille sur Énergie. Je m'en fous. Je suis une star, moi. J'ai viré tout le monde, donc je peux virer ta fille, hein. Tu veux virer ma fille? Tu sais même pas ce qu'elle fait, ma fille. Bah si, j'en ai rien à faire de ta fille. Bah alors. Elle est nulle au lit, ta fille. Ça, prendre son copain, ça c'est sûr que... Ça, t'es grande pour ça, hein. Non mais t'as vu la gueule de ta fille? Elle est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait Olivier? Il a eu avec une fille comme ça. Je l'aime comme elle est, ma fille. Ça a pu l'enlever avant de te trouver, espèce de poufiasse, bon. Eh bah elle est dégueulasse, ta fille. Ouais, et toi, t'es quoi, toi? T'es le mari, couche-toi là et casse les pattes. Et elle est pas connue, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec elle? Moi je suis avec des stars tous les soirs. C'est une cacahuète que tu sois connue ou pas. En attendant, t'es une briseuse de ménage. Mais pas du tout. T'as gâché la vie de ma fille, elle a deux enfants avec lui. Et tu veux que je t'envoie une photo dédicacée ou pas? Je signe pour qui? Pour ta fille? Pour toi? Pour les enfants? Pour ta connerie. Mais faut pas, madame, faut pas s'énerver. Madame. Faut pas s'énerver, il y a de quoi s'énerver. Bah non, il va pas épouser Julie. Pourquoi? Parce que le mariage, il est maintenu. Moi, je m'appelle Koé.
C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Je vous l'ai dit pourtant. Et c'est une connerie, et c'était pour rigoler, et puis voilà. Olivier, elle était très bien, belle maman. Très bien, rassure-la, dis-lui que le mariage a lieu et que tu l'aimes, vas-y, dis-lui. Bah, votre fille, Bon, c'est trop long. Allez, gros bisous.